Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Back to School 2018, première ES vers la terminale ES. Préparation en mathématiques pour les élèves qui vont rentrer en classe de terminale ES et pour ceux qui font la spécialité mathématiques en terminale L. Je vous propose un QCM avec 12 questions. Je vais lire les questions une par une, vous pouvez mettre en pause la vidéo et ensuite nous donnons un corrigé de ce QCM. Ce sujet comporte des questions à choix multiples. Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Reportez sur la copie le numéro de la question ainsi que la lettre correspondant à la réponse choisie. Une réponse exacte rapporte un point, une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point. Aucune justification n'est demandée. 1. Le prix d'un objet avant solde était de 21 euros. Après solde, son prix est de 16 euros. Cela correspond à une baisse de prix de... Réponse A, 2,38%. Réponse B, 23,80%. Réponse C, 76,19%. Réponse D, 123,81%. 2. Le polynôme moins x carré plus 4x plus 1. Réponse A n'a pas de racine. Réponse B a deux racines distinctes. Réponse C a une seule racine. Réponse D a trois racines distinctes. 3. On étudie le temps passé devant la télévision pour un groupe de personnes de 50 ans et plus. Réponse A. La médiane est égale à 3. Réponse B, la médiane est supérieure stricte à 3. Réponse C, Q1 appartient à la classe 2-3. Réponse D, Q3 appartient à la classe 3-4. 4. Quel est l'ensemble de définition de la fonction qui a x associe racine carrée de moins x plus 2? Réponse A, l'intervalle fermé moins 2, 2. Réponse B, l'intervalle ouvert moins l'infini 2. La réponse C, l'intervalle semi-ouvert moins l'infini 2. Réponse D, l'intervalle semi-ouvert 2 plus l'infini. 5. Soit f la fonction définie pour tout x appartenant à R par f de x est égal à 3x plus 1. Quel est le nombre dérivé de f en 2? Réponse A, moins 3. Réponse B, 1. Réponse C, 2. Réponse D, 3. 6. Soit x une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres n est égal à 3 et p est égal à 0,7. Réponse A. Probabilité que x soit égal à 1 est égale à 0,7 fois 0,3. Réponse B. La probabilité que x soit égal à 3 est égale à 3 fois 0,7. Réponse C. La probabilité que x est supérieur ou égal à 1 est égale à 0,973. Réponse D. L'espérance de x est égale à 0,343. 7. Soit un, la suite définie pour tout n appartenant à n, par un est égal à n au carré moins 1. Que vaut u11? Réponse A, 0. Réponse B, 11. Réponse C, 100. Réponse D, 120. 8. Un capital de 4800 euros augmente de 6,5% par an. Au bout de 2 ans, le capital a augmenté de... Réponse A, 624 euros. Réponse B, 644,28 euros. Réponse C, 3120 euros. Réponse D, 8268 euros. 9. Soit f la fonction définie pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0,10 par f de x est égal à x au cube moins 2x carré plus x moins 3. Réponse A. F est croissante sur l'intervalle fermé 1/2, 1. Réponse B. F est décroissante sur l'intervalle fermé 0, 1 tiers. Réponse C. F est croissante sur l'intervalle fermé 0, 1 tiers. Réponse D. F est croissante sur l'intervalle 1, 2. 10. Un joueur mise M euros et lance 2 dés cubiques équilibrés.
soit S la somme des nombres apparus sur les faces du dessus. Il remporte alors 2 fois S moins 1 euro. Combien le joueur doit miser en début de jeu pour que celui-ci soit équitable? Réponse A, 0 euro. Réponse B, 13 euros. Réponse C, 143 euros. Réponse D, 1221 euros. 11. Lucie doit économiser de l'argent pour acheter un vélo à 150 euros. À chaque premier du mois, ses parents lui donnent 7 euros. Le 1er janvier 2018, Lucie a dans sa tirelire 28 euros. En combien de temps pourra-t-elle s'acheter le vélo? Réponse A, 1er décembre 2020. Réponse B, le 1er janvier 2021. Réponse C, le 1er janvier 2021. Réponse D, le 1er mai 2021. 12. En utilisant un intervalle de fluctuation de type A sur N, B sur N, quel est l'intervalle de fluctuation à 95% de la fréquence correspondant à une loi binomiale de paramètres 100, 0,56 et bornes arrondies à 10 moins 2 près? Réponse A, l'intervalle fermé 0,46, 0,65. Réponse B, l'intervalle fermé 0,50, 0,61. Réponse C, l'intervalle fermé 0,51, 0,60. Réponse D, l'intervalle fermé 0,47, 0,64. Alors, première question, on veut connaître P tel que 21 fois 1 moins P sur 100. Donc 1 moins P sur 100, ça correspond à une baisse de P sur 100, coefficient multiplicateur d'une baisse de P sur 100, égale à 16. Donc voici l'équation à résoudre. On peut tout de suite diviser par 21. Donc 1 moins P sur 100 est égal à 16 divisé par 21. 16 divisé par 21. Ensuite, on va faire moins P sur 100 égale à 16 sur 21 moins 1. Passer le 1 de l'autre côté. Donc ici, ça va nous faire moins P sur 100. Donc P sur 100, si on fait l'opposé, 1, c'est 21 sur 21. 21 sur 21 moins 7 sur 21. On a alors P sur 100 égale à, donc ici, 5 sur 21. Donc ici, P va être égal à 5 sur 21 fois 100. Ce qui nous donne, ici, 5 sur 21 fois 100. 23,81 si on arrondit à 10 moins 2 près. Donc ici, 23,81%. Donc ici, c'est la réponse B. Alors, ici, pour connaître le nombre de racines du polynôme, donc ici, en fait, c'est le nombre de solutions à l'équation moins x carré plus 4x plus 1 est égal à 0, et bien pour connaître le nombre de solutions, on calcule delta. Sachant que a est égal à moins 1, b est égal à 4, c est égal à 1. Donc ici, delta b carré moins 4 fois a fois c. Donc b carré, ça va être 4 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1. 4 au carré, ça fait 16. Moins, donc ici 4 fois 1 fois moins 1, donc 4 fois, donc on aura moins par moins plus. 4 fois 1 fois 1, ça fait 4. 16 plus 4 égale à 20. 20 étant positif, il y a donc deux racines distinctes, donc réponse B. Alors si vous voulez connaître la forme des racines, eh bien ça va être x1 égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc ici, avant d'écrire ça, vous pouvez faire racine carrée de delta, c'est racine de 20. Racine de 20, c'est racine de 5 fois 4. Racine de 4, c'est 2, donc 2 racine de 5. Ainsi, vous pourrez simplifier par 2. Donc moins b moins racine carrée de delta sur 2a, x2 moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc il y a juste le signe central qui change dans les deux solutions. Alors 3, alors on va faire tableau des fréquences cumulées.
Donc ici, fréquence cumulée. On regarde bien entendu, là, c'est en ordre croissant, donc c'est OK. Fréquence cumulée, donc 9, 29, 29 plus 29, 58, 58 plus 20, 78, 78 plus 16, 94, 94 plus 6, 100. Donc, on regarde donc la médiane. Médiane, c'est quand est-ce qu'on a 50% de la série. On est ici entre 29 et 58. Donc ici, la médiane va se trouver dans cette classe-ci, dans cette classe-là. Donc la médiane, est-ce qu'elle est égale à 3? Non. Est-ce que la classe 3, la classe de 3 exclut le 3? Est-ce qu'elle est supérieure stricte à 3? Ben non. Elle est entre 2 et 3, donc inférieure stricte à 3. Donc ici, les réponses A et B ne conviennent pas. Q1, 25. Eh bien, 25 se trouve ici, donc dans cette classe 1, 2. Donc ici, Q1 est là. Donc Q1 appartient à la classe 2, 3. Ce n'est pas vrai. Donc en ce qui concerne Q3, on regarde pour 75%. Donc là, on a entre 58 et 78. Donc on est sur cette case-là pour Q3. Q3, on est dans la classe 3, 4. Donc c'est bien la réponse D. Donc petit rappel, Q1 c'est 25% inférieur, 75% supérieur. Médiane 50% inférieur, 50% supérieur. Et Q3 75% inférieur, 25% supérieur. 4. Quel est l'ensemble de définition de la fonction? Donc on a f de x est égal à racine carrée de moins x plus 2. Alors ici, racine de x est définie. Racine de x est définie si et seulement si x supérieur ou égal à 0. Donc ici, racine de f de x est définie. Si et seulement si f de x supérieur ou égal à 0. Donc ici, racine de moins x plus 2 est définie. Si et seulement si moins x plus 2 supérieur ou égal à 0. On résout cette inéquation. Moins x supérieur ou égal à moins 2. On divise par moins 1, donc on change de signe. Ici, il faut faire attention. On change de signe. X inférieur ou égal à 2. Donc cela correspond à l'intervalle de tous les nombres inférieurs ou égaux à 2, intervalle moins l'infini, 2 et ferme à 2. Donc ici c'est la réponse C. Alors, nombre dérivé de f en 2. Donc ici le nombre dérivé de f en 2, donc calcul la dérivée, f' de x. Donc f de x est égal à 3x plus 1, voilà, la dérivée de 3x c'est 3, la dérivée de 1 c'est 0, donc plus 0, 3 plus 0 c'est 3. Bien entendu, on rappelle que la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées. Donc, si on dérive 3x, ça fait 3, et 1, ça fait 0. Quel est le nombre dérivé de f en 2? Bien, on calcule f' de 2. Sauf que ici, ça ne dépend pas de x, donc f' de 2, bah, c'est égal à 3. Donc réponse D. Alors, loi binomiale. Donc, x suit la loi binomiale. Binomiale de paramètre 3, 0,7. Ainsi, la probabilité que x est égal à k, eh bien, c'est égal à combinaison 3k. Combinaison 3k, donc pour k compris entre 0 et 3. Bien entendu, 3k, 0, 0,7 puissance k, 0,3 puissance n-k. Donc ça, c'est la formule pour calculer une probabilité avec une loi binomiale. Alors, probabilité que x est égal à 1. Donc la probabilité 3, 1, 0,7 puissance 1, fois 0,3 puissance 3 moins, donc ici c'est 3 moins k, donc 3 moins 1, ça fait 2. Binomiale 3, 1. 0,7 fois 0,3 puissance 2. Donc ici on va trouver 0,189. Est-ce que c'est égal à 0,7 fois 0,3? Non. Donc
donc c'est pas réponse A. Réponse B, probabilité que x est égal à 3. C'est 3, 3, 0,7 puissance 3, 0,3 puissance 0. 3, 3 c'est 1, c'est pas 3, donc c'est pas bon. En plus là il y a 0,7 puissance 1 alors qu'on veut 0,7 puissance 3. Pour info, 3, 3, 0,7 puissance 3. 0,7 puissance 3. 0,343. C'est 0,343. Ah, 0,343 se retrouve dans l'espérance de x. Donc, est-ce que l'espérance de x est égale à la probabilité que x est égale à 3? Non. L'espérance de x, c'est n fois p. Donc, c'est 3 fois 0,7. C'est égal à 2,1. Donc, ce n'est pas la réponse D. C'est la réponse C. Pourquoi? Parce que probabilité que x supérieur ou égal à 1, c'est égal à 1 moins la probabilité que x est strictement inférieur à 1. Or, la seule valeur entière strictement inférieure à 1, eh bien c'est la probabilité que x est égal à 0. 1 moins 3, 0, 0,7 puissance 0, 0,3 puissance 3. 1 moins, donc ici on a 1, fois 1, fois 0,3 puissance 3. 1 moins 0,3 puissance 3. Si on peut calculer, 1 moins 0,3 puissance 3, 0,973. Et donc c'est la réponse C. Alors, ici, suite. Donc on veut U11, il suffit de remplacer N par 11. Donc ici, U11 est égal à 11 au carré moins 1. 11 au carré, eh bien c'est 121. 121 moins 1, eh bien ça fait 120. Donc ici on a la réponse D. Alors ici on a ce qu'on appelle une suite définie explicitement, donc un en fonction de n. On peut avoir aussi une suite un plus 1 est égal à quelque chose fois un, formule par récurrence. Un capital augmente de 6,5% par an. Donc ici, pour calculer le nouveau capital au bout de 2 ans, on fait 4800 fois 1 plus 6,5 divisé par 100, fois 1 plus 6,5 sur 100. Donc ici, on peut faire carré. Alors, on calcule 4800 fois 1 plus 6,5 divisé par 100 au carré. On va trouver 5444,28. Or, on veut le capital augmenter 2. Donc ici, ben, on fait 5444,28 moins 4800. On va trouver 644,28 euros. Puis si on est en euros, bien entendu. Et donc ici, c'est la réponse B. Alors, ici, on veut le sens de variation de la fonction f. Donc, f de x est égal à x au cube moins 2x carré plus x moins 3. F' de x, la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc ici, x au cube, c'est 3x au carré, moins 2 fois 2, 4, x plus, donc là devant le x il y a 1, donc plus 1. 3x carré moins 4x plus 1. Donc ici on va étudier le signe de la dérivée pour avoir les variations de la fonction. On rappelle que f' de x positif si et seulement si f, donc sur i, si f est, donc on dit que f est croissante sur i, f' de x négatif sur i, si et seulement si, donc i étant un intervalle de R, f décroissante sur i, ou décroissante sur i. Donc on veut le signe de la dérivée. Donc ici on veut 3x carré moins 4x plus 1 égale à 0. On sait que a égale à 3, a égale à 3, b est égal à moins 4, c est égal à 1. Là on va calculer delta, moins 4, b au carré, moins 4 fois
3 fois 1. B au carré moins 4 fois AC. Moins 4 au carré, moins 4 fois moins 4, ça fait 16. Moins 4 fois 3, 12 fois 1, 12. Donc 16 moins 12, ça fait 4. Positif, donc il y aura 2 racines. Racine carrée de delta, racine carrée de delta, c'est racine de 4, donc c'est 2. On a alors les deux racines suivantes. X1 est égal à moins B, donc moins B, moins racine carrée de delta sur 2A. Moins B, donc moins, moins 4, 4, moins racine carrée de delta, 2, sur 2A, donc ici 2 fois 3, 6. 4 moins 2, 2 sur 6, ça fait 1 tiers. X2, moins B, plus racine carrée delta, sur 2A. 4 plus 2 sur 6, 6 sur 6, ça fait 1. On a alors le tableau de signes de la dérivée et le tableau de variation suivant. Donc ici x, f' de x et f. Donc là, on aura les variations de la fonction f. Donc les racines, c'est 1 tiers 1. Donc ça va s'annuler en, la dérivée va s'annuler en tiers et en 1. Alors ici, le signe de a, 3 étant positif, donc le signe c'est positif. Donc ça va être positif à l'extérieur des racines, négatif à l'intérieur. Donc ici, ça va être croissant entre moins l'infini, 1 tiers, décroissant entre 1 tiers et 1, et croissant entre 1 et plus l'infini. Alors normalement, il faudrait calculer les valeurs de f en 1 tiers et en 1. On ne va pas le faire. Nous, on veut juste les variations de la fonction f. Donc ici, f est croissante sur 1 demi 1. Donc 1 demi 1 ici. 1 demi étant supérieur à 1 tiers. Donc là, la fonction est décroissante. Donc ce n'est pas la réponse A. F est décroissante sur l'intervalle 0, 1 tiers. Donc 0, 1 tiers, on est ici. Donc non, elle est croissante. F est croissante sur 0, 1 tiers. Oui. F est croissante sur 0, 1 tiers. F est décroissante sur 1, 2, 1, 2, 1, 2, ici. Non, elle est croissante. Donc ici, ça va être la réponse C. Réponse, c'est f est croissante sur l'intervalle 0, 1 tiers. Alors ici, on veut que le jeu soit équitable. On va noter x, le gain algébrique, donc c'est-à-dire perte, donc algébrique, gébrique, c'est-à-dire que si on gagne la somme, eh bien x va être positif, si on perd, eh bien, la somme ici va être négative. Gain algébrique de jeu. Donc on veut que le jeu soit équilibré, donc ici, espérance de x est égale à 0. La loi de probabilité de x est la suivante. Donc ici, les différentes sommes, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ici, la somme, on va la noter S. Alors ici, K, gain algébrique de jeu. Donc ici, ce qu'on a emporté moins la mise. Donc ici, ce qu'on a emporté, c'est 2 fois 2 moins 1, donc ça fait 3. Pour cette case-là, moins m. Ensuite, 5 moins m. 7 moins m. 9 moins m. 11 moins m. Donc ici, à chaque fois, on ajoute 2. 13 moins m. 'Alors, on veut trouver m tel que l'espérance de x est égale à 0. Ici, jeu équitable. On appelle ça un jeu équitable. Alors pour trouver la probabilité que x est égal à k, on peut faire la table de Pythagore. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va additionner. 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc. Et donc, ici la probabilité d'avoir x est égal à 2, eh bien c'est 1. Donc il y a 1, 2 sur les 36 possibilités. Donc 1 sur 36, 3, 2 sur 36, 4, 3 sur 36, etc., etc. 36, 4 sur 36, 5 sur 36, 6 sur 36, pour le, donc 7, 6 sur 36, et ensuite on décroît. Donc 5 sur 36, 4 sur 36,
3 sur 36, 2 sur 36 et 1 sur 36. Donc voilà, donc ici c'est la probabilité. Donc on peut vérifier que la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Alors maintenant l'espérance, l'espérance de x, eh bien ça va être 1 sur 36 fois 3 moins m, 1 sur 36 fois 3 moins m, plus 2 sur 36 fois 5 moins m, plus 7, donc 3 sur 36 fois 7 moins m, etc., etc., plus 1 sur 36, 23 moins m. Alors ici, si on développe l'espérance, on va avoir 1 sur 36 fois 3, plus, etc., plus 1 sur 36 fois 23, moins, on va développer, on va séparer les nombres, donc 3 fois 36, 2 fois 2 sur 36, 7 sur, fois 3 sur 36, etc., etc., moins les termes en fonction de m. Donc ici, on aura 1 sur 36 fois m, plus 2 sur 36 fois m, plus, etc., plus 1 sur 36 fois m. Donc ici, ce 1 sur 36 plus 2 sur 36 plus 3 sur 36, on aura donc la somme des probabilités. Or, on avait dit que la somme des probabilités était égale à 1. Donc ici, on aura tout ça, donc 1 sur 36 fois 3, plus, etc., plus 1 sur 36 fois 23, moins la somme des probabilités, donc voilà la somme de P, fois M. Donc ici on aura somme de P, donc somme de P est égale à 1. Donc ici on veut résoudre l'équation maintenant. 1 sur 36 fois 3, plus etc., plus 1 sur 36 fois 23, moins M est égal à 0. Donc c'est 1 sur 36 fois 3, plus etc., plus 1 sur 36 fois 23, égale à m. Donc m est égal à, en fait, 1 sur 36 fois 3, 2 sur 36 fois 5, 3 sur 36 fois 7, 4 sur 36 fois 9, etc., etc. M sera égal donc à l'espérance de x sans la mise. Et maintenant, donc, si on fait le calcul, 1 sur 36 fois 3, plus 2 sur 36 fois 5, plus 3 sur 36 fois 7, plus 4 sur 36 fois, donc fois 9, plus 5 sur 36 fois 11, plus 6 sur 36 fois 13, plus 5 sur 36 fois 15, plus 4 sur 36 fois 17, plus 3 sur 36 fois 19, plus 2 sur 36 fois 21, plus 1 sur 36 fois 23. On va trouver 13. Donc ici, M égale à 13. Donc il faut miser 13 euros pour que le jeu soit équitable. Donc ici, c'est la réponse B. Alors ici, suite arithmétique, on sait que U0 est égal à 28, UN plus 1 est égal à UN plus 7. Et donc ici, c'est une suite arithmétique. Donc arithmétique de raison. Donc la raison, elle se lit ici. Pour passer d'un terme au suivant, on ajoute un nombre qu'on appelle la raison. R est égal à 7. Et de premier terme, U0 est égal à 28. Donc ici, la formule, c'est UN est égal à U0 plus N fois R. UN est égal à donc 28 plus 7 fois N. On veut savoir quand est-ce que UN est supérieur à 150. UN supérieur ou égal à 150. Donc 28 plus 7n supérieur ou égal à 150. Ici,
On peut faire 7n supérieur ou égal à 150 moins 28, ce qui va nous donner 122. Donc ici, n supérieur ou égal à 122 sur 7. Donc il est à peu près égal à 122 sur 7. Donc ça va faire 17,42. Donc 17,42. Donc on va arrondir à l'entier supérieur. N est égal à 18. Donc au bout de 18 mois, eh bien, elle pourra s'acheter le vélo. 18 mois, c'est 3 ans. Donc ici, on est en 2018. Donc 3 ans, c'est 2021. Donc ici, ça va être le 1er janvier 2021. Donc ici, réponse B. Alors, l'intervalle de fluctuation de type A sur N, B sur N. Donc ici, on a une loi binomiale de paramètres 100, 0,56. Donc on veut l'intervalle de fluctuation à 95% de la fréquence correspondant à une loi binomiale 100, 0,56. Eh bien, ici, on va tout d'abord faire la loi de probabilité de la loi binomiale. Donc ici, avec la calculatrice, probabilité binomiale. Donc on note 100 et 0,56. Voilà. Donc on va le mettre ici. Donc voilà la loi. Donc ici, tracé de la loi. Donc ici, on veut un intervalle. Donc ici, trouver les bornes A et B, tel que ici on aurait 95% des valeurs. Donc ici on aurait 0,95, donc ça correspond à 0,95. Et donc ici on aurait 0,05 divisé par 2, parce qu'il faut aussi ici voir que c'est 0,05 divisé par 2, parce que la totalité des barres ici, eh bien, c'est égal à 1. Donc, la somme de toutes les valeurs égale à 1. Et donc, si on veut 95%, il va rester 5% à gauche et à droite. Donc, pour avoir, ici, 0,95, donc ici, il faut avoir 0,05 divisé par 2. 0,05 divisé par 2. Donc, AB, donc, intervalle centré en l'espérance. Donc, l'espérance, ça va être 100 fois 0,56. Donc l'espérance de x, ça va être égal à 56. Donc ici, intervalle AB centré en 56, en fait, donc, qui recoupe donc les 95% des valeurs de la loi binomiale. Donc ici, A, eh bien, c'est P de x inférieur ou égal à A, égal à 0,05 divisé par 2, donc 0,025. Et on veut B, tel que P de X inférieur ou égal à B, est égal à 0,975. 0,1 moins 0,025. Donc on va trouver ces deux valeurs, A, B. Et ensuite, pour avoir l'intervalle de fluctuation de type A sur N, B sur N, eh bien il suffira de dire, donc c'est A sur 100 et B sur 100. Donc sur 100, ici, et sur 100. On va trouver les valeurs, donc ici l'intervalle de fluctuation I. On va trouver les valeurs A et B, telles que P de X inférieur ou égal à A est égal à 0,025, et probabilité que X est égal à, inférieur ou égal à B est égal à 0,975. Donc pour cela, calculatrice, on va réduire un peu la fenêtre, voilà, donc on veut inférieur, et on veut donc ici 0,025, ici 46, donc à peu près 46, et ici, donc ici on veut 0,975, on va trouver 65, donc I égale à 0,46, 0,65, et donc ici ça va être la réponse A. Ah.